pour tu vas voir les images, tu vas dormir là-bas et dire que je viens à telle heure pour ça. Après, ça ne donne pas. C'est ainsi, pas de répit pour ce chef d'entreprise. Il est toujours en communication avec ses potentiels clients qui désirent prendre des informations sur des logements ainsi que la conduite à suivre. Son métier, c'est agent immobilier. Vendre, louer des espaces ou des habitations reste l'apanage de ses ouvriers. Terrains, appartements, maisons, locaux commerciaux, tous sont proposés. Athanase Valérie Molo, c'est d'intermédiaire entre le propriétaire et l'intéressé. Se faire mandater par ses proprios reste la tâche première attachée à ce métier qui est une véritable mine d'or. Bien quand le client est satisfait, pour moi, ça passe. Quand le client est satisfait, moi, je suis content. Donc, j'aime bien. Et le fait que nous soyons en collaboration avec des nouvelles personnes, on gagne en relation, on gagne en ceci, on gagne plus. C'est pas juste le gain, mais les relations. Ça te permet de découvrir, et par exemple, le pays, la ville, le quartier. Le marché de l'immobilier étant toujours très dynamique, Molo Valérie n'a pas eu besoin d'un boost particulier. Bon, ce qui m'a le plus motivé à me lancer dedans, parce que de un, il y a déjà la satisfaction du client. De deux, j'aime ce métier. Pour parvenir à placer un bien, les agents immobiliers comme Athanase doivent être mobiles, persuasifs, rigoureux et organisés. À cela s'ajoutent plusieurs autres éléments indispensables dans la pratique de cette activité. Celui-là qui sait écouter, qui sait dialoguer, qui doit comprendre le client. Oui, pour moi, je pense que ce sont les points auxquels si toute personne qui veut faire dans le domaine ou qui fait dans le domaine pratique, je pense qu'il n'aura pas de soucis avec le client. Parce que quand le client vient vers vous, pour lui poser toutes les questions possibles qui vont vous permettre de façon générale à vite soit le loger ou le couvrir de prendre des terres. Parce que c'est après échange, oui, que ça te facilite un peu la tâche. Par contre, je ne critique pas, certains ne savent pas écouter, ne prennent pas la peine de X ou Y. Rien n'est donné. Ses débuts, pas de commentaires. Les mots sont insuffisants pour traduire son entrée dans ce secteur qui tarde à éclore. Il a fallu que je commence par une simple petite gradation où j'ai été intermédiateur. À savoir, j'ai fait une petite gradation où j'ai gagné facilement. Comme la plupart des activités du secteur tertiaire au Cameroun, la formation se fait dans le tas. Pour acquérir certaines connaissances ou mieux évoluer, Athanase a reçu un apprentissage approximatif à socio-formation en ligne. Moi, j'avais réfléchi quand je commençais, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas m'inscrire ici au pays. Je me suis même renseigné, on m'a dit qu'il n'y avait pas, même sur Google. Mais je pense actuellement, on m'a fait comprendre que les universités qui bougent par-ci par-là essayent un peu de former les gens dedans. Maintenant, pour moi, je suis sur certaines plateformes, j'essaye de m'imprégner, de me former. Et maintenant, beaucoup plus, je me forme beaucoup plus encore sur le terrain. Pour avoir les clients, un processus est mis en place. La plateforme de l'entreprise joue un rôle permettant de rester connecté avec ceux-ci, même après plusieurs mois. Fiches d'engagement, échanges sont très importants pour que la confiance s'installe. Et qui dit confiance, dit aussi contrat. Pour avoir les clients, ça demande de temps. Déjà, notre plateforme, elle est là depuis pratiquement 3 ans. Tout ce qu'on fait, c'est quoi? C'est pour donner moins de visibilité à soi-même. Mais maintenant, plus vous êtes sérieux et que le client consulte ce que vous faites, il s'attache, il prend le numéro, parfois il garde, il ne vous appelle pas là. Il ne peut pas comprendre que ça demande le temps. Il faut vraiment être sérieux, il faut vraiment comprendre les clients. Parce que ces points-là sont très importants. Il faut vraiment écouter le client. Parce qu'une fois, tu connais ce que le client veut. Ça te facilite la chose. Après échange, quand on connaît réellement ce que le client veut, on a un fichier d'engagement qu'on lui présente.
film de livre affiche un largement. S'il est d'accord et remplit nos conditions, on se lance au travail. Très vite, soit les clients à descendre sur le terrain. Allô, oui. Oui, j'ai vu les images. Ou alors, tu descends, on se prend directement sur le site. Après, ils vont se plaire. Ni rien, rien qui vous lui regarde, ni rien, rien. Ou juste parce que tu as le numéro de téléphone. Le couple propriétaire, agent immobilier, obligé de fonctionner ensemble, les agents font souvent face à tout type de bailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Le contact, ils ont leur bien, qu'ils veulent mettre en location. Il y a d'autres qui ne nous contactent pas, que nous-mêmes, nous leur forçons la main. Oui. Mais en ce dont on force la main, la plupart sont, si je peux dire, radin. Ou alors, je ne sais pas. Quand je dis radin et autres, je sais quoi. Ce qu'on force moi, généralement, la main, parfois on vient avec un client. Lorsqu'il voit le client, il voit le client qui vient vous payer même la maison. Vous-même qui l'avez amené le client, il vous met en jeu. Il vous dit restez dehors, je n'ai rien à péter à vous. On n'a rien signé. Vous voyez un peu. On a cette catégorie de personnes. Or, dans ce qu'on fait, on se donne à fond et on aime notre chose. Moi, je dis souvent ceci à certains bailleurs que c'est vraiment pas vraiment correct la façon de penser. C'est vrai, ils ont construit, ils ont fait leur bien. Ça, c'est clair. Ils ont construit, c'est pour eux. Mais cependant, on ne peut pas faire porte de l'argent, on vient te verser, tu ne donnes rien. Par exemple, nous tombons sur ce genre de cas, ça c'est ce qu'on force à main. Par contre, ceux dont on ne force pas la main, on pose avec eux, ça passe, c'est tranquille. Il sait que lorsqu'il vient solliciter nos services, c'est comme rémunération. La pitance acquise est toujours fonction de l'entente. Pour les uns, c'est un mois de loyer. Pour les autres, c'est dû au pourcentage du nombre de mois que l'acquéreur verse au bailleur ou au propriétaire. Soit un mois si c'est en commission, si c'est en commission de logement, soit un mois, soit en pourcentage, soit 5%, soit 10%. Ça va dépendre de comment est-ce qu'ils vont entendre. Là, c'est dans le cadre de la gestion immobilière. Oui. Donc, ceux dont on force la main, parfois ils sont carrés. Quand ils voient même le client, ils font comme s'ils n'ont jamais pu avoir de l'argent. Bon. Pour obtenir un bien, il ne suffit pas de se focaliser sur les photos transmises, mais plutôt se déplacer sur les lieux. Ces multiples va-et-vient sont ainsi à la charge du client. Bien plus, la fiche d'engagement est toujours de mise, mentionnant tous ses taux. Dans notre fiche d'engagement, oui, tout est mentionné dessus. Si c'est un terrain, c'est reconnu même par la loi, c'est 5%. Maintenant, ça peut être négocié, tout est négociable. Si c'est un logement, généralement on demande un mois de loyer. Oui, tout comme ça peut se négocier en pourcentage en fonction du nombre de mois qu'on verse. La caution n'étant pas comprise dans ces calculs-là. Donc, pendant si c'est 10 mois, que la personne avance, par exemple 10 mois de loyer, non, 8 mois de loyer, 2 mois de caution. Le pourcentage qu'on va calculer, ça sera juste sur 10 mois. Passer la caution, ce sera juste sur 8 mois. Hein, passer la caution étant son argent qui lui sera restitué. Donc on ne compte pas ça. Donc les différents déplacements sont à la charge du client. Nous mettons soit le véhicule à votre disposition, soit vous mettez le carburant. Oui, on s'attend sur un montant, vous mettez juste le carburant pour les déplacements. Ou alors, vous louez un taxi. En ouvrant le dossier, il y a une somme qui dépose. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on doit faire. Bailleur ou patron malhonnête, client indécis, les agents immobiliers font face à de nombreux problèmes. C'est le client même d'abord. La plus grande difficulté dans le domaine, c'est le client. Quand je dis client, c'est pourquoi? C'est parce que le client, les clients, ils aiment les images. C'est le plus grand problème qu'on a. Parce que vous ne pouvez pas être chez vous, vous êtes couché, vous êtes sur Facebook avec votre tablette, vous avez vu des annonces, vous dites bon, je peux m'engager là-bas, vous demandez les images. Vous demandez les images en fonction de quoi? On ne connaît pas réellement ce que vous voulez. On ne connaît pas le nombre de pièces de la maison que vous voulez. Vous ne dites même pas si vous avez un lit de deux places, si vous avez une salle à manger chez vous, vous ne dites rien, aucun détail. Donc la plus grande difficulté d'abord, c'est le client.
La seconde difficulté qu'on a, qu'on rencontre sur le terrain, c'est aussi les propriétaires, surtout actuellement, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Eux, parfois, quand ils demandent souvent des normes de mois, par exemple, en ce qui concerne le logement, ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a une petite crise qu'on vit actuellement. Il n'y a pas. Donc, ils se servent de la crise qu'on vit pour pouvoir augmenter et faire le chantage aux clients. Mmh. Oui. Donc, genre, si tu n'as pas un an, tu laisses. Le client en a le besoin. Quand quelqu'un demande un an, après cet un an, il ne va pas payer la maison. Il va continuer à vivre chez vous. Il va payer la maison. Donc, du coup, on a et les clients et les propriétaires de même. Mmh. Maintenant aussi, la difficulté que nous avons aussi, c'est nos propres collaborateurs. Quand je dis nos propres collaborateurs, il y a ceux qui ne travaillent pas. Ils vous disent, voilà, j'ai ceci. Il ne sera sûr pas d'une chose si c'est le propriétaire. C'est une difficulté qui nous fait aussi beaucoup de problèmes. Il ne sera sûr pas si le propriétaire est d'accord du prix que lui propose au client. Tout comme Athanase, Ambulia Abdou en consomme au quotidien. Il y a des réclames les photos au début. Quand il n'y a pas les photos, on propose au client de se déplacer, passer au bureau. Mais généralement, ils fuient ça. Beaucoup de clients contactent des agents immobiliers, mais sont incapables de gérer les modalités d'un agent immobilier. Il y a certains qui le font. On rencontre beaucoup de clients malhonnêtes. Au départ, ils ne respectent pas les ententes en fait. C'est pourquoi nous exigeons qu'ils passent au bureau, on leur montre la fiche d'engagement. S'ils veulent continuer, ils signent. Mais malgré qu'ils signent, même certains partent de gérer chez le bailleur à notre insu. C'est pourquoi parfois on se fait même des doses au bailleur qui sont passés. Parce qu'on recherche la protection du bailleur. Je ne peux pas t'amener un client. Il vient à mon insu, verser l'argent, tu ne m'appelles pas, tu ne m'informes pas. Dans ce business, aucune période ne garantit un chiffre d'affaires. Par conséquent, il est impossible pour lui de définir réellement ce qu'il gagne journalièrement, hebdomadairement ou annuellement. Pour dire vrai, l'immobilier n'a pas de période propice. Pour dire vrai. Parce qu'à tout moment, tout peut changer. Oui. Avec l'immobilier, certains vont vous dire c'est les congés, la période des vacances, parce que celui-là lui fait juste dans les logements. Bon, pour un vendeur de terrain, il va te dire c'est la fin d'année. Mais pour moi qui suis dedans, dans le mélange, il n'y a pas de période propice. Pourquoi? Parce que quand vous faites bien votre travail et que vous avez un nom, ça part par ci, ça part par là, les numéros des filles. Ça fait, quelqu'un peut t'appeler un beau jour, soit de l'héros, soit d'ici même, il est dans le besoin. Le métier n'étant pas encore bien encadré, le professionnalisme de certains agents immobiliers est patent. Aujourd'hui, la recherche de l'emploi pousse plusieurs jeunes à se lancer dans ce secteur par mimétisme. Pourtant, il nécessite bien plus.